Bonjour à tous, merci, merci d'être là, merci d'être toujours aussi nombreux. Je me régale à chaque fois que je vois cette bande-annonce qui a été réalisée par Loïc à partir des stages. Et il y a quelque chose d'extraordinaire, et je pense que vous devez certainement ressentir la même chose que moi, c'est de voir tous ces visages sourire, de voir cette joie qui émane, Alors j'ai envie de dire aujourd'hui, bah, les masques, parce que c'est vrai que je trouve nos villes terriblement tristes aujourd'hui, parce qu'on ne voit plus de visage, on ne se voit plus sourire, et je trouve ça terriblement, terriblement triste, et ça m'a fait penser à une phrase que j'ai vue il n'y a pas très longtemps, et je vous invite à la méditer, c'est la peur ne vous empêchera pas de mourir, mais elle vous empêchera de vivre. Alors, je pense qu'il est temps aujourd'hui que nous nous réveillons et que d'arrêter de ne plus laisser la peur guider nos actes. Et aujourd'hui, je pense que plus que jamais, on a besoin justement de remettre de la vie dans nos vies, de remettre de. Et puis surtout, c'est peut-être pour nous l'occasion, et j'espère que ça aura réveillé plus d'un aujourd'hui cette expérience un petit peu particulière que nous sommes en train de vivre à travers le monde. C'est vraiment de se remettre profondément en question par rapport à nos aspirations, à nos motivations. Qu'est-ce que nous voulons vraiment? Et je crois que de manière générale, nous voulons le bonheur, non? C'est pas votre cas. Mais nous espérons le trouver à travers des réalisations extérieures, en espérant que les autres se plient à nos désirs, à nos souhaits, que le monde se conforme. Et ça fait des siècles qu'on n'a toujours pas compris que le bonheur, il n'est pas à l'extérieur, mais il est en nous-mêmes, en acceptant, et c'est probablement pour ça que vous êtes ici, en acceptant d'éveiller notre vraie nature, parce que quand eh bien, j'ai donné une conférence il n'y a pas très longtemps sur l'importance d'apprendre à s'aimer et de reconnaître que nous sommes ce à quoi nous aspirons depuis toujours. Nous sommes cette bonté fondamentale, nous sommes cette joie, nous sommes cet amour à condition de la laisser émaner. Et c'est toutes ces peurs qui nous empêchent justement de libérer ces peurs conscientes ou inconscientes, qui nous empêchent de libérer ce plein potentiel de bienveillance, de respect, d'amour dans lequel on se sent si bien. La preuve, c'est que vous voyez vous-même, en participant à ces méditations collectives et probablement en pratiquant à côté chez vous, en tout cas je vous le souhaite, de découvrir que chaque fois que vous souhaitez avec sincérité, avec ouverture, avec joie, de souhaiter du bonheur à vous-même bien sûr et autrui, eh bien vous voyez que vous-même vous baignez dans le bonheur. C'est ça le bonheur, c'est de faire exister, de permettre à la fleur magnifique que vous êtes d'exister, de se déployer, et elle est en vous. Tout le reste, ce n'est que jugement, analyse, interprétation, concept. Vous êtes, prenez conscience. Comme souvent dans les méditations, je vous dis, vous êtes comme cette fleur qui s'ouvre pour libérer son parfum. Eh bien, devenez comme cette fleur. Libérez votre parfum en vous ouvrant, en acceptant de vous ouvrir, en acceptant les changements, parce que Bouddha disait, ce n'est pas le changement qui est souffrance, c'est la peur du changement qui crée la souffrance. Donc, acceptez de vous ouvrir et libérez enfin ce parfum magnifique que vous portez en vous. Que la bonté, l'amour, la compassion, la joie, toutes ces caractéristiques qui sont inhérentes à votre nature, en fait. C'est pas des qualités, c'est déjà là. Vous n'avez même pas à le développer, parce qu'en fait, quand vous pratiquez, c'est une façon d'entrer en résonance avec cela qui était déjà en vous. Faut lui permettre d'émaner, de s'élever simplement à la conscience et d'arrêter de lui barrer la route avec des jugements, des a priori, des vues, des peurs, toutes ces toxines mentales comme les appellent les bouddhistes. Donc voilà, et pour ne plus vous laisser effrayer par vos propres toxines mentales ou celles des autres, eh bien vous avez vu dans la pratique, eh bien accueillez-les, ne les laissez plus vous impressionner, ne soyez plus sous l'emprise ou sous l'empire, comme on dit parfois,
de ces obscurcissements mentaux, ce ne sont que des nuages qui passent dans le ciel, qui n'ont pas de pouvoir, ils ont juste le pouvoir que vous leur donnez. Mais parfois, c'est vous êtes tellement, tellement accroché à vos idées, à vos croyances, à vos concepts, et même vos concepts philosophiques. Combien de fois je vois des personnes qui viennent me donner des leçons sur l'amour, sur la compassion, sur la méditation, sur ce que c'est réellement la méditation. Et je me dis, mais tout ça, c'est que du concept, c'est que des notions abstraites. La réalité est tout autre. Et il convient tout simplement de la vivre en pleine conscience. Donc, oubliez vos idées, oubliez vos concepts, oubliez vos croyances, oubliez vos vues, oubliez, j'ai envie de dire, tout ce que vous avez appris auprès de tous ces soi-disant experts, et vivez votre vie pleinement, dans la joie, dans le bonheur et la bonne humeur, et amenez ça dans la société qui en a tellement besoin. On en parlait encore il n'y a pas très longtemps, on veut une société plus heureuse, sauf que tout le monde amène de la tristesse dans cette société, donc je vois pas comment ça va arriver. Donc si on ne met pas un peu plus de joie dans cette société, elle n'est pas près d'être joyeuse. Tout le monde attend en fait que cette société les comble, attendent que... Voilà, c'est tout le problème, c'est qu'on attend. On attend de recevoir, on attend que les gens changent autour de nous, mais on se dit, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Moi, j'ai rien à faire, c'est les autres qui doivent changer, qui doivent se transformer. Mais ça n'arrive jamais. Et vous êtes toujours malheureux parce que vous passez votre temps à attendre que les autres se conforment à vos désirs, que la société se conforme à vos désirs, que le temps se conforme à vos désirs, que tout se plie finalement. On est un petit peu dithyrant, non? Allez, on met de l'amour. Et ça va mieux, on ouvre son cœur parce que vous êtes des êtres de cœur, sinon vous ne seriez pas là. Donc voilà, c'était pas du tout prévu, hein. C'est venu comme ça spontanément, et je pense que c'est important d'avoir ça à l'esprit. Voilà. Alors si vous êtes d'accord, alors j'en profite, petite annonce, on vous l'a fait, mais je la refais parce que s'il y en a qui sont revenus entre-temps, et puis on va informer tous ceux qui sont déjà inscrits à la prochaine journée mondiale de l'altruisme. Je demande à Loïc de mettre le lien pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, parce que ça va être une expérience magnifique. La salle est déjà remplie aux deux tiers, sauf qu'on a décidé de la reporter en 2022, avril 2022, c'est bientôt, c'est dans un an, ça passe très très vite. Effectivement, c'est la deuxième fois qu'on le reporte, mais parce qu'on ne veut pas prendre le risque que ça soit annulé à la dernière minute à cause de décisions gouvernementales ou je ne sais quoi d'autre, ou d'être obligé de se masquer sur la scène. Je trouverais ça absolument épouvantable. On a, d'autant plus que pour nous, c'était un énorme travail de préparation. C'est un an de travail avant pour pouvoir préparer cette journée mondiale de l'altruisme. Donc, on ne veut pas prendre ce risque, et je pense que vous le comprendrez tous. Donc, ça se passera le 9 et 10 avril 2022, et c'est sur la journée mondiale de l'altruisme. Vous avez déjà des reportages de plusieurs intervenants qui seront là, que vous allez pouvoir rencontrer, avec qui vous pourrez échanger. Ce sont des êtres qui font partie de la solution, qui essaient d'apporter des choses dans le monde, des choses magnifiques, et on leur emboîte le pas avec Planète Altruiste. Donc, voilà. Et puis, je vous annonce, j'anticipe, je ne sais pas quand est-ce que ça va se faire, mais dans le cadre de Planète Altruiste, je donnerai prochainement une conférence sur l'écologie du cœur. Mais on aura l'occasion d'en reparler, vous recevrez bientôt l'information, donc soyez à l'affût, surveillez, parce qu'il y a des personnes qui nous disent qu'ils ne reçoivent pas les mails, regardez dans vos spams, parce que c'est très très difficile à contrôler pour nous de notre côté, on ne sait pas, regardez dans vos spams, on vous envoie régulièrement des informations, peut-être que vous passez à côté. Voilà, et puis la bonne nouvelle, on aura bientôt une application sur laquelle vous pourrez vous inscrire pour les méditations collectives, mais pour plein d'autres choses aussi, toutes les activités que nous sommes en train d'organiser. Voilà. Alors, je vous propose de mettre de la joie dans vos cœurs, dans votre vie, dans vos vies, partout aujourd'hui. On va être des semeurs de joie, des semeurs de bonheur. Et je vous propose, on va commencer par la petite prière de motivation
pour les nouveaux. D'abord, j'accueille les nouveaux. Merci d'être là. Suivez le courant. Je vous invite, je le répète, mais d'aller sur la page sur laquelle vous êtes inscrit. Vous avez normalement la vidéo de la toute première méditation, enfin une des premières méditations collectives, parce que ça fait quand même quelques années que ça dure. Et vous avez les instructions qui sont données sur la pratique qu'on propose ici. Alors, on pourra en pratiquer d'autres, on pourra en faire d'autres. On le fait de temps en temps, mais je pense que c'est important de rester dedans parce que ça vous permet de vous familiariser et d'aller plus en profondeur, de vous abandonner plus facilement. Donc, je disais, la motivation. La motivation, c'est très important. Pourquoi vous faites les choses? Bon, et ben on va essayer de faire ça. Après moi, par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à l'éveil de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Puissais-je, par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie, et quoi que je fasse, soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Voilà, installez-vous confortablement. Soyez à l'aise sans être complètement avachi. Voilà, ramenez toute l'attention sur vous-même. Cette attention, cette conscience qui se disperse plus souvent à l'extérieur, mais qui se perd aussi dans les pensées. Soyez juste là, juste cette présence bienveillante à votre propre égard. Voilà, prenez conscience de l'espace que vous occupez là où vous êtes maintenant. Prenez conscience des sensations, toutes les manifestations qui peuvent se produire aussi au niveau du corps. Portez-lui cette attention bienveillante. Permettez aux muscles qui ne sont pas indispensables à la position dans laquelle vous vous trouvez de se relâcher. Et soyez juste là, juste présent à vous-même. Et je vous laisse quelques instants en silence sur cette attention bienveillante à votre égard. Et quelles que soient les pensées qui s'élèvent à la conscience, laissez-les être. Laissez-les passer comme vous laisseriez passer des nuages dans le ciel, sans vous attacher ni à la forme, ni à la couleur, ni à la nature de ces pensées, quelles qu'elles soient, laissez-les être. N'essayez pas de les changer, de les transformer. N'essayez pas d'être plus calme. Soyez toujours cette présence ouverte, bienveillante à votre propre égard. Et ainsi ces pensées, sans cesse agitées par les circonstances, les tourments, les émotions, peuvent trouver un rythme plus tranquille, plus paisible. Laissez être.
Et si vous avez de la peine à garder le fil, vous pouvez utiliser le véhicule de la respiration. Être simplement attentif à ce va-et-vient permanent de votre souffle qui se fait tout seul, librement, sans que vous ayez besoin d'intervenir. La respiration qui est une fonction à la fois consciente et inconsciente à laquelle vous pouvez assister, voir ce phénomène, ce mouvement continu de flux et de reflux qui se produit au niveau de votre corps. Soyez juste là, toujours avec cette présence ouverte, bienveillante, à votre propre égard. Voilà, nous allons pouvoir procéder à la pratique que nous faisons habituellement. Et on va commencer donner et recevoir sur soi-même. Donc imaginez, toujours sur le véhicule de la respiration, imaginez que à chaque expiration, vous répandez l'amour, la bienveillance, tout ce qui est positif en vous-même. Imaginez, encore une fois, que vous êtes comme cette fleur qui s'ouvre pour libérer son parfum, et votre souffle est comme le vent qui vient pousser, qui vient répandre cet amour, cette bienveillance, tout ce qui est positif en vous-même. Imaginez d'abord que ça va au cœur même de vos cellules, au plus profond de vos cellules, chacune des cellules de votre corps qui amène cette vie extraordinaire. Parce que l'amour, c'est la vie aussi. Bienveillance, toutes ces cellules que vous enrichissez ainsi par votre ouverture, votre bienveillance. Donnez tout cet amour à votre corps et imaginez que ça va au plus profond de votre être aussi, que ça va toucher les structures mêmes de votre être en y apportant tous ces aspects bienfaisants. Vous vous remplissez d'amour. Remplissez tout votre être, tout votre corps. Tout ce qui vous constitue se remplit d'amour sur le véhicule de l'expiration. Et à l'inspiration, imaginez que vous allez prendre toutes vos peines, vos souffrances, vos obscurcissements mentaux, tout ce qui fait obstacle à votre bonheur, et vous l'accueillez avec joie, avec bonheur, et vous l'amenez dans votre cœur qui est comme un puits de lumière. Et lorsque l'obscurité rencontre la lumière, l'obscurité peut se dissoudre. À chaque inspiration, vous accueillez tout ce qui fait obstacle à votre bonheur et vous l'amenez dans votre cœur. À l'expiration, vous répandez l'amour. À l'inspiration, vous accueillez avec cette même joie tout ce qui fait obstacle à votre bonheur. Et je vous laisse là aussi quelques instants en silence pour procéder. Prenez soin de vous.
nous allons faire maintenant donner, recevoir sur l'environnement, comme nous le faisons d'habitude. Imaginez, vous êtes près d'un millier de personnes et imaginez que vous formez un grand cercle et vous allez pouvoir vous donner la main, comme dans un geste d'unité. Bien sûr, c'est symbolique, sauf pour ceux qui sont en famille, vous pouvez vous donner la main et imaginez que vous êtes reliés à cet immense cercle de plus d'un millier de personnes, unis dans un même élan, dans une même aspiration, dans ce geste fraternel. Et vous allez faire la même chose maintenant sur l'environnement. Et donc imaginez que à chaque expiration, vous répandez l'amour, la bienveillance, tout ce qui est positif autour de vous, envers toutes les personnes qui pratiquent avec vous, envers vos proches, toutes les personnes qui se trouvent dans votre environnement direct, même ceux qui se trouvent dans votre immeuble et pourquoi pas la ville dans laquelle vous vous trouvez. Et vous imaginez que vous répandez cet amour tout autour de vous, avec tous ces effets bienfaisants, que ça touche aussi bien leur corps que leur être. Vous donnez tout cet amour, vous le répandez autour de vous. Et à chaque inspiration, vous accueillez tout ce qui fait obstacle à leur bonheur, tous leurs obscurcissements mentaux, avec la même joie, la même bienveillance que pour vous-même, avec le même bonheur. C'est comme si vous leur disiez, donne-moi tout ça, tu n'en as pas besoin. Vous l'accueillez dans cet immense puits de lumière qui est votre cœur, dans lequel ces obscurcissements mentaux vont pouvoir se dissoudre, trouver la paix, l'apaisement. À chaque expiration, vous répandez l'amour tout autour de vous, envers toutes les personnes qui pratiquent avec vous, avec qui vous êtes liés en ce moment même. Et à l'inspiration, vous accueillez tout ce qui fait obstacle à leur bonheur, avec le même bonheur, la même joie. Essayez en même temps de ressentir ce lien qui vous unit les uns aux autres au moment de la pratique. Et je vous laisse là aussi en silence pendant quelques instants. Voilà, nous allons faire donner et recevoir sur l'univers, exactement avec, dans le même état d'esprit, les uns liés les uns aux autres, dans ce même élan fraternel d'amitié, de respect, de bienveillance. Imaginez là aussi qu'à chaque expiration, vous répandez
tout cet amour partout dans l'univers. Ouvrez complètement votre cœur. Pensez à cette fleur qui s'ouvre, qui libère son parfum. Mais ce parfum qui peut se libérer à travers tout l'univers. Et vous donner tout votre amour. Toute cette bienveillance que vous portez en vous. Et vous en êtes le premier bénéficiaire parce que vous baignez dedans au moment même où vous le laissez se libérer. Et vous le donnez à tous, à tout l'univers. Il se répand partout. Et à chaque inspiration, imaginez que vous accueillez toutes les souffrances de ce monde avec la même bienveillance, la même joie, la même ouverture. Et vous l'accueillez dans ce puits de lumière, dans cet immense puits de lumière aussi infini que l'univers, dans lequel tous ces obscurcissements mentaux, toutes ces souffrances peuvent se dissoudre. Je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Alors, je vous invite à interrompre votre pratique. Voilà, prenez le temps de revenir à vous-même. Gardez cette présence avec vous, essayez de prolonger dans vos activités. Voilà, merci en tout cas, merci de votre présence, merci pour tout. Merci encore une fois, je le répète, mais
Ça, on est toujours chaque fois touché. Merci pour vos dons qui aident Planète Altruiste, qui aident dans la réalisation de tous ces objectifs, puisque comme vous le savez, nous sommes tous bénévoles dans cette association. Et c'est toujours pour nous, sachez-le, c'est toujours vraiment un vrai bonheur d'être avec vous. La seule frustration, évidemment, c'est de ne pas vous voir. Mon grand rêve, c'est de pouvoir réaliser une immense méditation avec un millier, voire plus, plusieurs milliers, voire de personnes dans la nature, d'imaginer cet immense cercle. Au fond, on serait tous réunis en train de méditer tous ensemble. Ça serait absolument magnifique. Puis de voir tous vos sourires, ça serait encore plus merveilleux, comme un immense champ de fleurs qui s'ouvrent, qui libèrent chacun leur parfum avec des couleurs différentes. Voilà. Merci, merci beaucoup. J'ai envie de vous dire merci d'exister, merci d'être là et de participer à cet élan magnifique. À dimanche prochain. Au revoir.